Bonsoir à tous, bienvenue pour ce grand rosaire de l'année 2024. Ensemble, nous allons consacrer cette année à Jésus par Marie pour que cette année soit une année de bénédiction et aussi protégée du mal. Donc voilà, confions maintenant nos familles, votre travail, toutes vos situations au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions aux intentions de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Invoquons l'Esprit Saint ensemble. Oui, Esprit Saint, viens, nous t'accueillons. Nous te confions cette année 2024. Sois la lumière pour notre vie. Sois la sagesse, l'intelligence. Sois la force. Oui, viens inspirer ce chapelet. Donne-nous le goût de la prière. Esprit Saint, nous t'accueillons. Nous avons tellement besoin de toi. Apporte-nous la paix du cœur. Amen. Et nous allons entrer eh bien, dans ce premier mystère, les mystères joyeux, avec Marthe. J'en profite pour dire un grand coucou aussi à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Sachez que tous les soirs à 19h30, en direct, on prie le chapelet du jour. Le premier mystère joyeux, c'est l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Alors très certainement, vous n'entendez pas, mais nous ici, c'est la tempête sur les côtes normandes. Ça fait beaucoup de bruit, le vent, la grêle, etc. Et je pensais à cette annonce de Jésus, sauveur, à la Vierge Marie. Pour la première fois, on entend que Dieu a un nom, Jésus, un nom, le nom de Jésus est donné, et ce nom veut dire Dieu sauve. Et je me disais que, du temps de Marie, avec tous ses envahisseurs aussi romains, toutes ces difficultés que traversait ce peuple, et puis chaque génération a ses problèmes, ses tempêtes, eh bien, nous avons aussi, nous aussi, un rocher sur lequel nous appuyer. Imaginez que si on est en plein milieu de la mer, on est dans les flots, on risque d'être envahi, on ne sait plus où se tourner, on risque de se noyer, et d'un coup, on voit un rocher qui peut nous abriter, sur lequel on peut se réfugier. Quel soulagement de se précipiter ici. Eh bien, de la même manière, nous avons un rocher au milieu de cette tempête, nous avons Jésus, Dieu sauve. Alors, est-ce que nous reconnaîtrons Jésus? Est-ce que nous oserons vraiment nous approcher de lui et nous saisir de lui sans le lâcher, parce que lui ne nous lâchera jamais. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne vers lui. Alors que ce Jésus, Dieu sauve, soit toujours avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon beau et doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. L'Écriture nous dit que dès que Marie commence à saluer sa cousine Élisabeth, eh bien, le petit Jean-Baptiste va tressaillir dans le sein d'Élisabeth, puis Élisabeth elle-même va tressaillir d'allégresse et dire toutes ces belles paroles inspirées à la Vierge Marie. Alors on voit qu'il y a, comme dit saint Paul, utilise cette expression, une communication d'Esprit Saint,
que vraiment le Seigneur voilà, se répand, se partage. Marie qui a conçu Jésus, qui porte l'enfant Jésus, et bien cette joie se répand. Et nous aussi, depuis notre baptême, nous sommes porteurs de Dieu en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous aussi, nous pouvons communiquer cette joie de la présence de Dieu, cette allégresse de la présence de Dieu, et nous pouvons changer aussi l'entourage, tout ce qui nous entoure, en amenant cette présence de Dieu. Alors n'hésitons pas à être des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons chanter ensemble les deux derniers « Je vous salue Marie ». Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta
et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le troisième mystère joyeux, c'est la naissance de Jésus. Quelle grâce inestimable que le Seigneur nous fait. Et c'est Saint Jean-Eudes qui donnait un peu cette image que je vais redire avec mes mots, parce que je n'ai pas les mots exacts, mais il me disait, imaginez un grand prince qui a un immense royaume et qui va au fin fond de son royaume, dans la hutte la plus éloignée, chez un pauvre pêcheur, et qui rentre dans cette hutte après avoir parcouru tout son royaume, et qui dit à cette personne, eh bien voilà, je t'ai cherché longtemps et je suis venu jusque chez toi pour te dire que tu es un frère pour moi, tu as du prix pour moi, combien je t'apprécie, combien je t'aime. Eh bien imaginez la joie de ce pauvre homme, de cette pauvre personne qui sera là, de voir que le prince est venu jusqu'à lui dire tout cela. Eh bien maintenant, il dit Saint Jean-Eudes, imaginons que le créateur des univers entiers est descendu sur terre, a pris corps, a pris chair pour toujours. Voilà, c'est Jésus, ce Fils éternel, a pris chair pour toujours, et il est venu dans, chez nous, voilà, dans nos cœurs, pour nous dire combien il nous aime, que nous avons du prix à ses yeux, et qu'il nous a longtemps cherché, combien il nous veut à lui. Eh bien, rendons-nous grâce, rendons-nous compte de cette grâce inestimable et de quel amour Dieu nous a aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le quatrième mystère joyeux, c'est la présentation de Jésus au temple. Dans cette dizaine, nous allons prier particulièrement pour les familles. Et peut-être que certains d'entre vous, les fêtes de Noël, il y avait quand même une pointe d'amertume parce qu'il y avait peut-être un membre de votre famille qui n'était pas là ou des membres de vos familles ou des amis qui vous ont blessé ou vous avez du mal à pardonner, peut-être un mari ou une femme qui est partie. Et du coup, il manque cette unité de la famille qui vous blesse profondément. Et bien, dans cette dizaine, nous voyons Marie et Joseph présenter l'enfant Jésus au temple, au Père. Et bien, présentons tous ces membres de nos familles qui ont peut-être nous ont blessés ou n'étaient pas présents. Présentons-les aussi au Seigneur et demandons l'impossible, demandons des grâces de réconciliation, d'unité ou au moins de pardon afin qu'il n'y ait plus cette amertume dans nos cœurs. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le dernier mystère joyeux, c'est le recouvrement de Jésus au temple. Et on voit que Marie et Joseph ont marché toute la journée et ne se sont pas rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils le cherchent parmi la famille, les connaissances, ils ne le trouvent pas. Ils le cherchent pendant 3 jours et ils le retrouvent au temple. Et Jésus répond, je devais être aux affaires de mon Père. Alors qu'est-ce que nous, on peut en tirer pour notre propre vie personnelle? Bien sûr, Dieu habite notre cœur, il est avec nous. Mais parfois, nous faisons sans lui. Enfin, on ne pense pas que Dieu aussi a des missions pour nous. Il doit parfois être ici, ici, il nous veut ici, il nous veut là. Et parfois, on décide par nous-mêmes. On fait sans prendre l'avis du bon Dieu. Et alors que, voilà, si on était vraiment connecté à Jésus, en union avec lui, on ne le perdrait jamais de vue. Et on pourrait vraiment, nous aussi, être aux affaires du Père et le suivre dans toute l'émotion qu'il pourrait nous donner. Alors, dans cette nouvelle année qui vient, demandons une grâce, une plus grande communion avec Jésus, une plus grande unité, afin de pouvoir répondre à ses demandes, à ses appels, et nous aussi, servir le Père avec Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant. Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. Continuons maintenant ce rosaire avec les mystères lumineux et continuons à semer en ce début d'année. Et oui, vous savez, la Vierge Marie, c'est une terre féconde. Et par la prière, c'est des semences qu'on met, eh bien, avec elle, en elle, pour que durant l'année 2024, on puisse moissonner des grâces. Alors vous faites bien de prendre ce temps du rosaire. Alors continuons maintenant dans les mystères lumineux avec une autre Marthe. Merci Marthe. Bonsoir. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain, fruit du mystère, la grâce de la sanctification. Dieu veut transformer notre vie. Il le dit dans la lettre aux Romains, il veut que nous puissions quitter un peu ce monde, notre façon de penser, pour que nous recherchions vraiment sa volonté, ce qui est bon, ce qui est vraiment juste, ce qui est parfait. Alors, quoi que soient vos résolutions pour 2024, surtout, demandons bien à Jésus de s'y impliquer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon beau et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Fruit du mystère, une grande confiance en Marie. Marie reçoit nos prières et elle se tourne vers Jésus. Elle nous montre comment faire. Et c'est vrai que Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, il dit « Demandez ». Alors, je vais vous le lire. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. » En ce début d'année, c'est pas mal de se dire ça. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Alors que 2024 soit rempli de demandes, voilà, que nous puissions, comme Marie, avoir cet automatisme. On a besoin de quelque chose, petit, grand, on se tourne vers Jésus, on lui demande, dans la confiance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, réserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Fruit du mystère, la conversion. On nous dit au travers de la parole de Dieu, convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Et j'aimerais qu'on se pose cette question, mais à quoi ça sert? Eh bien, que 2024, ça soit vraiment clair pour nous dans notre esprit. Parce que je ne sais pas vous, mais quand on prend des vitamines, c'est parce qu'on sait que ça va nous apporter la santé. Mais quand on s'approche de Jésus, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Jésus, il veut vraiment nous apporter plus qu'une bonne nouvelle. Il veut vraiment que ce soit concret dans notre quotidien. Il veut nous apporter cette entièreté. Vous savez, souvent dit, je sens comme un vide dans mon cœur. Et il y en a plein qui vont chercher, ils cherchent à assouvir ce vide dans le monde, au travers de la drogue, de tout et n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que ça remplit jamais. Mais la véritable conversion, c'est permettre à Jésus de remplir ce vide et de nous rendre saints. Parce que la vie éternelle, c'est pour de vrai. Alors merci Seigneur de nous aider à nous convertir.
notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Fruit du mystère, la paix. Hier, j'ai beaucoup apprécié que, à la première lecture, à la messe, Dieu nous rappelle ce que je vais vous lire. Que le Seigneur
te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Un beau message de paix pour l'année 2024. Et c'est vraiment son visage qui brille, qui rayonne, comme à la transfiguration, qui va nous apporter sa lumière, qui va nous apporter sa paix. Demandons cette lumière pour 2024, que nous soyons éblouis de l'amour de Dieu, de sa paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Assalamu alayki ya Maryam. Ya mumtali an-ni'ma ar-rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali an-ni'ma ar-rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki sayyidna Yasuh al-Masih. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a an-ni'ma ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki, sayyidna Yasuh al-Masih. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a an-ni'ma ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki, sayyidna Yasuh al-Masih. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oh, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Fruit du mystère, l'amour de Jésus, l'amour de l'Eucharistie. Un poisson qui a le malheur d'être extrait de son environnement meurt. Eh bien, je crois que nous-mêmes, si on s'extrait de la présence de Dieu, si on claque la porte à Dieu, on a le malheur de se retrouver sans Dieu et sans ses bénédictions, sans ses grâces. Et on voit à quel point, aujourd'hui dans le monde, eh bien, on en a des malheurs. Prions pour que 2024, eh bien, soit une année remplie de bonheur pour tous, que nos cœurs s'ouvrent à Dieu, que nous puissions vivre de Dieu, et particulièrement au sein de ce sacrement de l'Eucharistie. Parce que si Dieu prend la peine de s'approcher de nous, mais pourquoi lui claquer la porte au nez ? Venons, venons, approchons-nous de sa table. Venons recevoir la vie de lui afin que notre conversion impacte la conversion des autres, que l'effet domino soit positif. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ces mystères lumineux. Nous entrons maintenant dans les mystères douloureux avec le père Elias, prêtre grec melkite catholique du Liban. Et oui, nous savons aussi que nous portons aussi des douleurs, des souffrances. Nous voyons notre monde aussi en souffrance, comme au Proche-Orient et un peu partout aussi dans le monde, malheureusement en Europe, en Ukraine, dans les pays d'Afrique, etc. et dans d'autres pays encore que nous oublions. Eh bien, c'est le moment de confier toutes nos douleurs, toutes nos souffrances et de nous approcher de Jésus souffrant, comme dit le prophète. Prophète Isaïe 53, donc le chapitre, il déclare ceci: c'est dans ses meurtrissures, dans ses blessures, que nous trouvons la guérison. Alors approchons-nous de Jésus. Merci Père Elias. Donc, premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Fruit du mystère, il faut se repentir. Il faut chercher toujours à trouver une solution pour nos problèmes, surtout avec Dieu, pas avec les hommes. C'est-à-dire, nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus, il est venu pour porter tous nos péchés. Donc, cette agonie dans le jardin des Oliviers, c'était très, il a porté tous les péchés du monde. Et il s'est laissé, il est homme. Et en même temps, il a accepté cette souffrance, il a voulu nous empêcher de continuer dans ce chemin de péché. Lui-même, il s'est repenti seul dans le chemin, dans le jardin des Oliviers, pour nous dire que je porte tous vos péchés. Mais reconnaissez que je suis votre Dieu, mes amis, gardant à l'esprit cet esprit-là. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Fruit du mystère, la purification des sens. Connaissons-nous, est-ce qu'on connaît qu'à chaque fois qu'on répète parfois les mêmes méditations, c'est pour que vos cœurs, vos esprits, vos âmes soient consolidés dans cette foi. Allez dans la profondeur de Dieu, des paroles de Dieu, de l'Évangile. Parfois il y a une répétition de la même chose, mais non. À chaque fois qu'il y a une répétition, il faut que ça s'incarne en nos cœurs et nos âmes. Ça, premièrement. Deuxièmement, on a vu que Jésus a la lourdeur du péché. Ses sueurs, elles sont devenues des gouttes de sang. Et puis maintenant, elle a montré combien la lourdeur de ses péchés. Ils l'ont frappé par des fouets. Je vous assure que c'était fatal. Et il a supporté, il nous a montré la lourdeur de ses péchés. Et à nous maintenant de comprendre que la lourdeur de ses péchés, ça, à un moment donné, il va nous donner ce poids, ces souffrances. Donc, souffrons-nous ici avant de souffrir là-haut. Jésus est venu pour nous libérer, mais en même temps, il y a la tentation et les souffrances. Donc, gardons à l'esprit que la souffrance ici nous libère de beaucoup là-haut. Amen, amen. Agissons ainsi. Pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Donc, on voit la gloire de l'homme qu'on cherche sur la terre. Il nous conduit où ? À avoir des couronnes d'épines. Ce n'est pas des couronnes d'or. Jésus nous a montré, par sa personne à lui, il nous a montré le coût de la gloire de la terre. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne une couronne, deuxième fois je répète, d'épines. Donc pour nous les hommes, au début de cette année 2024, pensons sérieusement, méditons un petit peu ce que Jésus a voulu nous dire à travers tous les chapelets qu'on fait. Et surtout, méditer les mystères douloureux. Comment Jésus a souffert pour chacun de nous. Combien il a voulu nous libérer de nos péchés. De quelle manière il a voulu. Et il nous a montré comment.
c'est-à-dire il a pris tout le poids de nos fardeaux sur sa tête. Imaginons-nous que l'épine a piqué ici et l'a même arrivé jusqu'à son œil, mais n'a pas touché son œil, non. Mais imaginez-vous quelle épine, nos péchés sont lourds. Donc gardant à l'esprit toujours de méditer, de penser sérieusement durant cette année, de rester proche de Jésus, proche de Marie. Il a donné sa maman pour vous guider sur cette terre. Amen. Amen. Soyez forts. Merci. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie.
grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, c'est le portement de la croix. Donc on sait bien que Jésus porta seul sa croix pour aller au Golgotha. C'était la croix de qui ? La croix de l'humanité entière, elle était portée par le roi de l'humanité. C'est ça Jésus qu'on pense. Donc le fruit du mystère, c'est la patience dans les épreuves et la compassion. Donc ayons cette compassion les uns envers les autres. Première étape, c'est ce qu'il a dit Jésus, ou là où il a voulu Jésus nous montrer à travers cette lourdeur, la lourdeur de cette croix. Et maintenant, malgré ce que Jésus a fait, on voit que le poids de cette croix est devenu de plus en plus lourd avec les choses qui se passent dans ce monde. Le monde menace l'un l'autre, pour quelle raison, on ne sait rien. Mais c'est quoi le but ? Mais personne n'est éternel. Tout ce qui est là reste là. Jésus n'a pas besoin, ni de pierre, ni de ce qu'on a dit la dernière fois. Il n'a besoin de rien. Jésus a besoin de nous. Donc laisse tout ce qui est sur la terre, c'est à lui. Nous sommes des locataires ici. Pensons sérieusement. Il a porté la croix. Il a voulu nous donner la foi en lui, premièrement, et la joie. La foi en Jésus, c'est la joie. C'est le bonheur. C'est tout ce que l'homme cherche indirectement. Il est dans son cœur et son âme. Donc gardons à l'esprit que Jésus a porté la croix pour nous. Donc c'est à nous maintenant de l'aider. Apporter aussi cette croix, la croix des hommes qui se tuent l'un contre l'autre. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère. C'est maintenant, il faut que tout le monde, si vous entendez, si vous m'entendez, vous tous, il faut bien méditer cette passion du Christ. Maintenant, c'est le crucifixion de Jésus. Il s'est donné pour nous, 100%. Il n'a rien laissé. Même sa vie, il a soufflé sa vie divine sur chacun de nous. C'est ça qui nous rend joyeux, heureux, nous les chrétiens. Mais on n'aperçoit pas, on ne voit pas vraiment la valeur de ce qu'il a fait Jésus. Pour nous, pour chacun de nous. Donc, je vous demande aujourd'hui, donc, premièrement, donc, on a dit le crucifixion de Jésus et la mort sur la croix. Fruit du mystère, ça veut dire l'horreur du péché et l'amour de la croix. Donc, Jésus demande à chacun, à chaque chrétien, de penser quel amour il a dans le cœur de Jésus, chacun de nous. Quelle est la grâce de l'amour qui est dans le cœur de Jésus pour chacun de nous? Est-ce qu'on imagine? On ne peut pas mesurer, même avec toutes sortes d'ordinateurs et toutes sortes de mémoires, ils ne peuvent pas supporter le niveau de l'amour que Jésus a pour nous. Donc demandons à Jésus vraiment de réveiller cet amour en nous. Sur la croix, Jésus, ça mérite quand même de s'agenouiller, de lui dire « Merci Jésus, tu nous as redonné la vie encore une fois. » La vie, ce n'est pas ici, c'est la deuxième vie qui était perdue. Jésus nous l'a rendue. Nous te demandons « Merci Jésus, merci et bonne année 2024 pour vous tous qui nous écoutent. Ayez la joie, la force, le zèle d'évangéliser, de parler de Jésus à haute voix. Amen. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Eh bien voilà, frères et sœurs, nous rentrons dans ce dernier mystère, les mystères glorieux. C'est le dernier mystère de ce rosaire. Donc bravo, vous êtes plus de 11 000 en connexion simultanée. Et nous allons entrer dans la gloire de Dieu, parce que la croix n'est pas la fin de tout, frères et sœurs. Nous qui sommes chrétiens, la croix amène à la résurrection et à la gloire. Donc entrons ensemble dans cette résurrection. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus-Christ. Et le fruit du mystère, la victoire sur tout ce qui entrave notre chemin.
Regardons, frères et sœurs, cette scène merveilleuse de la résurrection. Il est écrit qu'il y a eu un tremblement de terre et l'ange du Seigneur vint rouler la pierre du tombeau et il s'assoit dessus. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut réaliser en 2024 dans nos vies et dans vos vies personnelles. Tout ce qui bouche votre sortie, votre résurrection, votre liberté intérieure, tout ce qui empêche les projets de Dieu de s'accomplir, eh bien, Dieu veut manifester un ébranlement spirituel pour que l'ange du Seigneur vienne et enlève ce qui empêche votre résurrection spirituelle, la résurrection des différents aspects de votre vie. Et l'autorité du Christ, c'est quoi? C'est que l'ange, il s'assoit dessus. C'est la victoire. Dieu va vous faire asseoir comme sur un trône, sur vos difficultés qui avant vous écrasaient. Vous voyez la différence? Quand vous asseyez sur une chaise, imaginez-vous qu'on vous met le fauteuil sur le dos. C'est le fauteuil qui s'assoit sur vous. Ben non, vous êtes fait pour vous asseoir sur le fauteuil. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur va faire en sorte que vous ayez la victoire et il va vous asseoir sur toutes ces difficultés qui vont vous écraser au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs.
au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. Et le fruit du mystère, comprendre et croire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, frères et sœurs, vivre avec Jésus ou sans Jésus, c'est comme vivre dans la présence du soleil ou vivre dans les ténèbres absolument, dans la nuit. Ça change tout, en fait. Mais il se trouve qu'en fait, même en tant que chrétien, souvent notre journée est comme absente de la présence de Dieu. Et c'est comme si d'un coup on se disait, mais en fait, t'es là, Seigneur. J'ai vécu tellement d'heures sans vivre avec toi. Eh bien, on va demander cette grâce. Nous voyons que Jésus monte vers son Père. D'ailleurs, il écrit qu'au moment où il les bénissait, voilà, il fut emporté et ils étaient là, waouh, incroyable. Mais Jésus leur avait dit avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, vous me voyez monter à la droite de mon Père, mais je vais vivre en vous, je serai avec vous. On le voit, il est à la messe, il est avec nous par le Saint-Esprit, il est présent, toujours présent avec nous et il désire que nous vivions avec lui. Alors cette année 2024, frères et sœurs, on va proclamer au nom de Jésus-Christ qu'elle sera vécue avec Jésus. Si Jésus est avec nous tous les jours, il faut que nous soyons avec lui tous les jours. Lui, il sera là. Mais la question qu'il te pose, c'est toi, seras-tu là? Vivras-tu avec lui? Eh bien, c'est ce que nous choisissons. Et aujourd'hui, devant ciel et terre, nous voulons dire, oui Jésus, tu es avec nous tous les jours. Et nous te demandons la grâce, nous aussi, et nous le voulons du fond de notre cœur, d'être avec toi tous les jours de cette année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Et le fruit du mystère, eh bien, on va appeler sur nous et sur le monde la paix. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit est un esprit de paix et de consolation, un esprit d'unité et d'amour. Et nous voyons, et Jésus l'avait dit, « Je vous enverrai un autre défenseur. Le Père l'enverra en mon nom, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, mais vous, vous le connaissez. Et en vous, il sera. » Le monde ne le reconnaît pas, ne l'accueille pas. Et nous voyons un monde où il n'y a pas la paix, où il y a la guerre. Ceux qui sont nos dirigeants, ceux qui devraient prendre des dispositions pour la paix, sont en train de prendre malheureusement très souvent de mauvaises dispositions. Et pourquoi ? Parce que ce Saint-Esprit n'est pas accueilli. Alors appelons l'Esprit Saint, frères et sœurs, sur nous et sur le monde. Que l'Esprit Saint puisse apporter la paix d'abord dans le cœur de l'homme, dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos situations où peut-être il y a encore de l'amertume, de la division. Je vous en supplie, que l'année 2024 soit sous la protection, sous les ailes de cette colombe divine, de l'Esprit Saint, l'Esprit de paix. Alors oui, Esprit Saint, nous t'accueillons. Nous te supplions qu'en 2024, Seigneur, tu puisses arrêter les guerres. Nous te supplions pour nos familles, toutes nos situations où il n'y a plus de paix. Nous te demandons une manifestation de ton Esprit Saint. Viens et apporte la paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Et le fruit du mystère, la victoire sur la peur. Regardons la Vierge Marie. Elle a traversé sa vie, mais elle était toujours cette femme de foi, d'espérance et d'amour, même dans les situations les plus difficiles jusqu'au pied de la croix. Elle a toujours vaincu la peur, chassé la peur, pour qu'elle soit toujours dans cette communion avec Dieu. Ben oui, parce que la peur, frères et sœurs, elle devient une idole. C'est-à-dire que lorsque j'ai peur, c'est-à-dire que je crois que Dieu, pourtant que je pense être tout-puissant, n'a pas la capacité, n'a pas l'amour nécessaire pour me protéger, pour subvenir à mes besoins, pour bénir ma famille, mes enfants, et pour gérer comme il l'a pourtant promis jusqu'à chacun des cheveux de ma tête qu'il a compté. Oui, frères et sœurs, la peur peut devenir une véritable idole qui prend la place de Dieu. Et nous ramenons notre Jésus, qui est pourtant le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, nous le ramenons à on ne sait pas trop quoi, mais en dessous de cette peur. Alors non, 2024 ne sera pas régi par l'idole de la peur. Contemplons Marie et marchons sur ce chemin avec cette force qu'elle avait. Et nous allons demander, voilà, peut-être nous avons des inquiétudes pour notre travail. Est-ce que Dieu pourvoira en cette année 2024? Eh bien, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il l'a promis. Il a dit, tout cela vous sera donné. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alors vous comprenez, si nous sommes en communion avec Dieu, si nous croyons que le Christ est avec nous,
si nous cherchons son royaume, sa présence et sa justice, c'est-à-dire vivre dans la sainteté, loin du péché, dans les 10 commandements d'amour, et en cherchant tous les jours à vivre dans la divine volonté. Alors, frères et sœurs, il a promis que nous ne manquerons de rien et que nous pourrons servir, aider, aimer et donner. Alors, n'ayez pas peur pour 2024. Jésus-Christ est vainqueur de nos peurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère de ce rosaire, cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Et le fruit du mystère, bien la grâce de vivre en présence de la Vierge Marie, la grâce du Saint Rosaire. Oui, frères et sœurs, Marie est couronnée de gloire. Elle est reine du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir, une autorité. Oui, on sait que Dieu entend sa prière et qu'elle peut dispenser les grâces d'une manière incroyable pour le monde et pourtant vrai. C'est du réel. Marie fait des merveilles par sa prière. On le voit à Cana et on le voit dans nos vies personnelles. Et je pense que si vous êtes là ce soir en étant si nombreux, c'est pour que vous voyez ce que la Vierge Marie par sa prière vous obtient. Et frères et sœurs, eh bien, elle nous a laissé un moyen d'être en communion avec elle, un vrai cordon ombilical pour être avec notre maman du ciel, c'est le rosaire. Elle nous l'a donné. Dans les lieux d'apparition, elle nous y encourage, bien sûr, à prier le chapelet, mais même plus, ces trois ou quatre mystères, voilà, tous les jours. Et peut-être que ça peut être, eh bien, un désir ou une bonne résolution de cette année 2024, eh bien, de prendre encore un peu plus de temps avec Marie. Alors, chacun, on a des emplois du temps différents, voilà, mais on peut l'étaler sur la journée. Dieu va vous inspirer, mais peut-être que vous pouvez rajouter une dizaine ou un chapelet. Mais vous allez voir que vous allez semer encore un peu plus et vous allez moissonner encore beaucoup plus. Parce qu'elle, c'est au moins du 1 pour 1000, pour 1 million ou plus à chaque « Je vous salue Marie ». Mais vous savez, un jour je disais « Seigneur, comment je pourrais expliquer la Vierge Marie ?» Et notamment à ceux qui pensent que si on aime Marie trop, elle prend la place de Jésus, etc. Eh bien, il m'a donné cette image un petit peu, on va dire, assez rigolote. Mais voyez, quand vous mettez votre chaussure, ben voilà, vous faites un nœud avec votre lacet. Ce nœud principal qui maintient la chaussure, c'est Jésus-Christ, bien sûr, parce que c'est lui le sauveur du monde et c'est lui seul qui a porté nos péchés. Mais pour ne pas perdre ce nœud, il est bon de temps en temps, voire même souvent, voire tout le temps, et d'autant plus quand on court ou qu'on fait des choses assez compliquées, de faire un double nœud. C'est pas le nœud principal, c'est un deuxième, mais qui est collé au premier et qui fortifie le premier. Et bien voilà Marie. Marie est un double nœud, elle n'est pas le nœud principal. Mais elle vient fortifier ta relation avec le Christ, afin que tu ne perdes pas ce nœud principal. Et quand tu vois qu'elle te détourne, quand elle voit que tu te détournes de Jésus, elle est la main délicate qui te ramène à lui. Elle vient fortifier ta relation avec le Christ comme personne. Et tu verras, tu marcheras avec assurance dans cette relation à Jésus par Marie. Alors on va demander la grâce du Saint-Rosaire et de toujours plus aimer Marie, toujours plus être en elle, pour toujours être plus en Jésus. 5 pour moi, 5 pour toi. Il y en a qui ont soif d'avoir les grâces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour nous. Ô pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance, prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends, et nous te remercions d'avance. Amen. Saint Michel Archange, sois notre soutien dans le combat et défends-nous contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, nous le demandons humblement. Et toi, prince de l'armée céleste, refoule en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Notre-Dame, Mère de la Lumière, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Saint Étienne, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et continuez notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce rosaire. Nous voulons te confier et te consacrer pleinement, eh bien, cette année 2024, pour qu'elle soit pleine de toi par Marie. Nous te demandons, Seigneur, ta faveur, ta protection, éloigne de nous tout mal, tout malheur. Éloigne toutes les mauvaises personnes également, qui sont mal intentionnées. Viens bénir nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, l'union de tous les couples mariés, de tous ceux qui, voilà, sont aujourd'hui devant toi ce soir en direct ou en replay, et tous ceux que nous te confions. Chaque personne, particulièrement aussi ceux qui sont loin de toi et qui ne te connaissent pas et pour qui nous prions,
Oui, tu es le Dieu d'amour et de miséricorde qui n'exclut personne et qui veut sauver les pécheurs, qui veut sauver chacun de nous. Alors Seigneur, qu'en cette année nous te demandons également, bien sûr, de faire de nous toujours plus, tous les jours, des personnes encore plus aimantes et plus saintes. Et nous te demandons également de bénir notre travail, le fruit de nos mains, de bénir nos finances pour que personne ne manque de rien, de bénir les situations sociales aussi. Nous te demandons aussi les réconciliations en cette année 2024 qui doivent être faites. Et Seigneur, pose ton regard sur tout et bénis-nous tous. Amen. Et le Père Elias va nous apporter cette bénédiction pour cette année 2024. Merci Père Elias. De rien, humblement, faites attention. Alors, il faut savoir que ce qu'on a prié ce soir, 200 par personne, 200 je vous salue, 200 pères, 200 roses offertes à Marie, de chacun de nous, multipliées par le nombre. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas fait tout le rosaire, je vous conseille de le faire, de faire tout le rosaire. C'est le rosaire maintenant, c'est le seul moyen qui peut nous libérer de tout. Je vous conseille ça. Jésus, il va nous inonder par des grâces. Restez toujours prêts pour accueillir ces grâces. Et moi, par la grâce que Dieu m'a donnée, m'a accordée sans mérite, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci Père Elias. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ce beau rosaire. Sachez que le prochain rosaire, ce sera le mardi 6 février, premier mardi du mois, donc de chaque mois. Donc en février, ce sera le 6. Donc venez, 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 vous tous qui êtes déjà en direct ou qui regardez en replay, ça va être un beau moment également. Et que vous dire? Eh bien, on vous a concocté quelques petits liens cliquables pour vous qui êtes en direct, ou si vous êtes en replay, on vous les met épinglés dans les commentaires. Je vais vous en dire un petit peu plus, mais c'est quoi? Tout d'abord, une vidéo de vœux, voilà, pour être totalement sous la présence du Christ. Donc, regardez cette petite vidéo de moins d'une minute que vous pouvez partager pour que les personnes puissent choisir Jésus durant cette année 2024. On vous a épinglé le lien dans le chat. Là, dans le chat, vous avez trois liens. Le premier, c'est celui-là. Donc, vous pouvez cliquer et découvrir cette vidéo. Également, on a commencé la lecture de tout le Nouveau Testament ensemble en un an. Donc, hier, on a lu le premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Aujourd'hui, c'était le deuxième. Eh bien, venez, ne ratez pas ce grand départ. Vous pouvez rattraper très facilement. C'est une application qui s'appelle Open Bible et qu'on a lancée. Eh bien, chaque jour, vous recevez un chapitre que vous pouvez lire ou écouter, un défi chrétien à relever et une courte méditation qui vous explique ce chapitre de 4-5 minutes, pas plus, fait par l'un d'entre nous, de quoi vraiment vous permettre de lire, de comprendre et de mettre en pratique. Donc venez, venez sur Open Bible, c'est gratuit. C'est une application aussi qui est disponible sur iPhone ou sur Android. Donc voilà, open-bible.fr, on vous a mis aussi le lien. C'est totalement gratuit, donc venez, venez, on a besoin de la parole de Dieu. Et enfin, n'entrez pas en 2024 sans un saint patron. Et donc, eh bien, nous avons pioché un saint patron pour la famille chose, NDML. Oui, pardon. Une chose que j'ai oubliée. Dès le commencement de ce rosaire, j'ai dédié tout ça à tous les cancéreux qui ont cette maladie fatale. Et c'est Dieu le plus fort de tout. Il peut écraser cette maladie. Comptez sur Jésus. Jésus est présent. Et tous ces rosaires étaient dédiés pour ça. Soyez heureux et soyez guéris. Amen. Que nous demandons vraiment au Seigneur Jésus cette grâce. Voilà, pour chacun de vous et la force de traverser cette épreuve en Christ. Amen. Alors, et du coup, et puis pas seul, vous pouvez également aussi, comme nous tous, choisir un saint pour l'année 2024. Alors, on vous a concocté un petit site internet où vous avez juste un bouton cliquable, vous priez, et n'oubliez pas, c'est le saint qui vous choisit, hein, c'est pas vous. Vous priez, vous cliquez, et dans cette base de données de, je crois, plus de 300 saints, il y en a un qui vous sera accordé. Voilà, par exemple, toi, Bénédicte, t'as eu qui? Saint-Barthélemy. Nathanaël. Saint-François de Sales. Et toi, t'as eu qui? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oh. Alléluia. Saint-Benoît. Et moi, j'ai eu la Vierge Marie. Voilà, bon, confiance, elle est pour tout le monde. Pas du... voilà.
Et donc voilà, donc on vous a mis aussi le lien, donc c'est dans le chat en direct, vous pouvez cliquer, c'est le troisième lien qui est juste en dessous, et on vous met ces trois liens épinglés dans les commentaires. Alors hier j'ai épinglé dans les commentaires ces trois liens, et puis on a été bombardé de commentaires, d'ailleurs ils sont où les liens? En fait, épinglé dans les commentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier commentaire tout en haut, quand vous cliquez sur commentaire, et en plus il est de NDML, et ben vous ouvrez ce message, et là vous avez tous les liens, c'est ça que ça veut dire quand je vous dis épinglé dans les commentaires, c'est... Donc voilà, c'est tout simple, c'est en dessous de la vidéo. Quand vous avez envie d'écrire un commentaire, ben là vous cliquez, là, oh tiens, il y a un commentaire, NDML, c'est celui qui est tout en haut, c'est écrit d'ailleurs épinglé. Tac, je le déroule, j'ai tous les liens. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas de liker, parce que plus il y a de likes et plus il y a de YouTube, il y a plus que YouTube diffuse largement. Donc on a, c'est aussi un moyen d'évangéliser. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'on prie tous les soirs à 19h30. Et puis il y a aussi des petites vidéos spirituelles qui sont proposées assez régulièrement. Donc voilà, en tout cas, on vous aime très fort dans le Seigneur. Entrons en 2024 avec joie, avec force, avec Jésus et Marie. Et on se retrouve bien sûr demain à 19h30 pour un nouveau chapelet. À demain. Soyez bénis. Soyez bénis.